J'aime pas trop ça, mais bon. Est-ce qu'on avait débloqué des objets clés la dernière fois que j'aurais pas encore été chercher? Ah oui, Alefteria, c'est vrai. Il y avait la boucherie et l'art d'avenir. Que j'ai oublié d'aller chercher avec vous la dernière fois. Alors, la boucherie, par ici, et l'art d'avenir de l'autre côté. Boucherie du Grâce, réduction des dégâts de terrain, donc assez intéressant quand même. Et art d'avenir, je sais plus, mais je crois que c'est intéressant aussi. Rayon d'attraction de l'ennemi de 2 mètres, ça veut dire quand on lui jette une pierre. Ce qui est franchement très pratique. Faut pas déconner avec ça. Ce qu'on peut faire en attendant, si je sais. Oup, oup, oup. Salut toi. Quoi de neuf? Mais c'est notre véritable héroïne en toute sa troupe. Il paraît que vous êtes venu en aide à nos semblables à l'extérieur. J'ai toujours cru que les humains ne se préoccupaient que des leurs. Vous êtes digne d'éloge. Merci. Sympathique. Agormoth, je me souviens plus, il y avait des trucs, un phonex ici et un phonex là. Bah oui donc. Alors faut faire attention, il y a une quête qui se débloque par là-bas aussi. Plein de phonex à qui parler. Maintenant qu'on peut. Je pense qu'ils sont tous liés à Nîmes en fait. Oh, véritable héros! J'ai entendu dire que vous aviez sauvé les phonex héroïques, je ne sais pas comment vous remercier. Oh, je devrais m'inspirer de votre modestie, ça c'est du héros. Et peut-être que le fait de tous leur parler aussi déclenche un truc. J'en sais rien. C'est moi ou ça lag avec la pluie? Oh, une quête! Salut! D'accord, tu les vends 30 000, ça part comme des petits pains. Il veut agrandir sa plantation, ok. Et tu veux bien partager les profits avec nous? Salut Dax. Quoi de neuf? Village situé, c'est un endroit tout à fait charmant, l'eau est pure et les gens accueillants. Je me souviens de ce garçon, Rhys, il prenait toujours le temps pour jouer avec nous. Oh. Ça fait longtemps que je suis pas retourné, j'espère que Rhys va bien. D'accord. Toi, je peux toujours pas te nourrir ou j'ai chopé des trucs intéressants maintenant? Toujours pas. Ah putain. Hostilité front commun, ok. Rien d'intéressant de débloquer, mais pareil, deux niveaux 3 ici aussi, intéressant. C'est tout cas, ça serait bien qu'elle se développe, elle. Kokoro, elle a du cœur. Recrutement. On pourrait la faire. Tu veux quoi, agronomie niveau 1? Surtout que je les avais déjà envoyés en fait. Autant pour moi. Salut Zach. Quoi de neuf?
Connais-tu le nom de cet arbre? Les mercenaires l'appellent généralement Valentia, mais son véritable nom est l'arbre de Zox. Zox est mon nom, vois-tu. Mon père, le père de mon père et le père du père de mon père s'appelait également Zox. D'accord. Si tu le dis. Si tu le dis, mon cher Zox. Hop. Squad Shoryu, rentrez. Planque d'Akatsuki. Ok. Donc on sait où est leur planque. Est-ce qu'on finit cette quête maintenant, du coup? Parce qu'il y a celle de Rock après à faire derrière. Ouais, je renvoie quand même une mission. Oh, je sais pas, non, j'ai pas envie. Enquêter aux alentours de la bedaine bien pleine d'un morardin. La bedaine bien pleine, ça doit être par là. Ça doit être un des magasins. Tout à fait. Pas. Niveau inférieur? Niveau supérieur? Voilà, d'accord. Est-ce qu'il y avait encore une zone là-bas qu'on n'avait pas pu explorer? Je crois pas. On a découvert toutes les zones secrètes en plus par ici, donc ça me semblerait bizarre. Ceci, bien sûr. En fait, c'est là-dedans qu'il faut aller. Ça a l'air d'être à cet étage-là. Par ici. Quand tu veux. Ça sent la cinématique quand même vu le chargement. Cette musique quand même, j'aime bien. Ce serait bien de ne pas planter aussi. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Mais. Akatsuki, qui sont ces gens? Les pions dont je t'ai parlé. Je vois, ainsi il n'a pas réussi à les arrêter, cet idiot est un incapable. Éliminer les chefs de Briannac ne pouvait vous suffire, n'est-ce pas? Il est grand temps que vous appreniez à ne plus vous mêler de vos affaires. De nos affaires. T'es niveau combien? 33? Fais-moi rire. Sans savoir peur de quoi, là? Explique-moi. Et... Faut bien qu'on le tue avec cette attaque, des fois que ça compte pour quelque chose. Ah,
Il est en train de voler, fais-toi plaisir. Ça l'a pas tué, dommage. Après il craint la terre, donc autant te dire qu'il avait aucune chance. Elle est pas mal cette équipe. Tant que t'as pas besoin de te healer. Il met une plombe à charger cette zone, c'est chaud. Après on profite de la musique, mais quand même. Akatsuki, notre promesse. Je sais. Fais-le. Si c'est ton souhait. Il se suicide. J'espère que vous ne croyez pas que tout ceci est désormais terminé. Mais... Ryonak n'est pas la seule organisation à désirer la chute de l'Empire Ardénien. Écoutons voir les détails de l'affaire. Je crains que le temps me manque. Dans quelques instants, je retournerai dans mon cristal cœur. J'oublierai alors tout, y compris les idéaux que j'ai si longtemps poursuivis à ses côtés. Mais tout ce que nous avons accompli, je ne peux permettre que tout cela tombe dans l'oubli. Sachez que la menace perdure et recherche... Vous rechercherez mes compagnons et notre cause survivra dans vos pensées. Gloire à Lindworm. Lindworm? Cristal cœur d'Akatsuki. Oh! Oh, c'est stylé, un cristal cœur d'une lame commune. Mais genre, vraiment? Enfin, je veux dire... C'est un objet clé ou c'est... On peut l'invoquer? Ouais, non, on peut pas l'invoquer. Ok. Donc c'est un objet de quête. Castel Ardeg, d'accord. Pas grave, au moins on a récupéré le cœur. Il me fait délirer ce bouclier avec la tête dessus. Enfin bref. Salut. Y a-t-il quelque chose dont vous vouliez vous entretenir avec moi? Le truc c'est que... Comment? Vous avez vaincu Akatsuki et son pilote? En êtes-vous certain? J'ai pas les mains vides. Un cristal cœur, serait-ce celui d'Akatsuki? Accepteriez-vous de me le remettre en tant que pièce à conviction? Oui. Merci. Avec ceci, j'imagine que Ryonak est désormais mort et enterré. Alors le truc, c'est que... Comment? Il existe une autre organisation. Lindwurm, pardonnez-moi, mais c'est la première fois que j'entends ce nom. Bien sûr, elle est peut-être pas sage de prendre tout ce qu'Akatsuki a dit pour argent comptant. Ah bon? N'oubliez pas qu'il vous a déjà dupé par le passé. Quoi qu'il en soit, vous avez toute ma gratitude pour le service que vous nous avez rendu. Nous nous chargerons des dernières forces de Ryonak, ne vous faites pas pour ça. Ok. Bah, une quête remplie rondement menée, comme on dit. Fragments aimants, brassard de brancher, résistance ombre, pas mal d'XP. Où est-ce que les 3? Ah, c'est vrai que ça leur donne de l'XP de lien. C'est aussi pour ça que je joue avec. Et que les 3, on les a eu quasiment en même temps. Poppy Beta niveau 4 aussi. Et niveau 5 pour Dromark? Bah putain. Vous êtes sérieux là? Ah oui, ils sont sérieux. Je pourrais débloquer quoi sur Poppy? Courage. Ah, intéressant. 4 desserts dans la sacoche de Poppy. Alors ça, je dis oui, on va le faire tout de suite. Est-ce que le courage, c'est utile pour plein de choses? Pain aux lentilles. J'espère que c'est bien ça qu'elle veut et pas son dessert préféré. Parce que Poppy Beta, on le connaît pas, son dessert préféré. On va bien voir. Si, c'est bien l'objet préféré. Donc il va falloir que je les teste et que je les trouve.
Brigitte qui prend ça niveau 4. Pandoria. On sait pas et déterrer des poissons. Objet préféré, type instrument, type viande. Ok. Et ça, c'est pendant ses quêtes secondaires à elle. Et Cora qui débloque directement un truc, c'est papotage, d'accord. Un truc à l'auberge, j'ai ramassé deux objets, ok. Remarque qui remplit son truc aussi. Botanique, et il lui manque maîtrise de l'eau qu'on ne connaît pas. On connaît pas, on connaît pas. On connaît pas. T'as mis les quêtes déjà terminées. 100 quêtes, putain. Et 50 nuits à l'auberge, ça c'est faisable assez facilement. Eh ben, d'accord. Est-ce qu'ils sont revenus? Non. Ok. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir 5 lames de ténèbres actuellement? Voilà. Ok, on ouvre ça. Avec des lames, parce qu'on n'a pas de lames de ténèbres. Et voilà. Hop, on remet tout comme il faut des fois qu'il y ait des combats, que ça fasse des choses intéressantes. En espérant qu'on n'en ait pas re-besoin juste après, je serai cap. J'allais oublier le dernier. Hop, hop, hop. Grotte de l'eau est jaillissante, ok. Permet d'atteindre des endroits que je ne connaissais pas, je crois. Escouade revenue. Ah, d'accord. Il est intéressant de ne pas tomber. Putain, des pierres rares, je pense. Niveau 73, comment ça? Ah oui, d'accord, c'est ici, ok. Et ici... Si on tombe de trop haut, je pense qu'on se fait très très mal. Voilà ce que j'ai failli faire, quoi. Parce que j'avais zappé une plateforme. Et où est-ce qu'on arrive, du coup? Un endroit connu ou pas du tout? Voie des perles de rosée. Ah, mais on connaît pas du tout, d'accord. Ah, il y a des objets rares, oui, si tu m'étonnes. Ah! Maîtrise de la terre, courage 3. Ah, on n'a pas assez de courage. Et du coup, il doit y avoir un coffre rare ou extrêmement important ici. Avec peut-être un cristal cœur légendaire. Ok, c'est intéressant. Est-ce qu'on a moyen d'y revenir facilement? Genre avec un point de TP? J'ai pas l'impression. C'est pas grave. Du coup, direction Uraya, village de Garfon, et on va faire la quête de Rock et on arrêtera après celle-là, tant pis. Enfin, je referai une session derrière, mais sinon je vais vraiment me coucher trop tard. Et c'est pas le but voulu.
Ok, personnage. On va prendre Rock dans l'équipe, des fois que. Et je dis beaucoup des fois que, j'ai l'impression. Salut, Yuv. On dirait qu'il y a un souci. Poppy veut plus de détails. Ah, je voulais justement te voir. À l'époque de Vandamme, Joe et moi, on avait juste à se battre, mais maintenant, c'est plus pareil. Il nous faudrait quelqu'un pour gérer les tâches administratives que personne ne veut faire. Je vois. On hésite entre trois candidats, mais c'est pas facile de choisir, alors on a besoin de notre chef. On veut que tu les regardes droit dans les yeux et que tu nous dises ce qui a les épaules pour ce boulot. Je sais que tu as un don pour savoir ce que valent les gens, la preuve c'est que t'es entouré de beau monde. Il ne faut pas en attendre moins du Zikinator. Bon, je vais appeler les candidats, je compte sur toi pour les faire passer sur les grilles comme il faut. Les entretiens ont lieu au terrain d'entraînement, fais-moi signe quand t'es prêt. Pas encore un combat. J'espère. T'as des infos intéressantes, toi? Pas du tout. Ok. C'est débile de le mettre maintenant, en fait. Même si elle, je crois qu'elle a plus rien à augmenter non plus. Ah, ici. J'aimerais bien que ce soit Rex qui fasse passer les entretiens plutôt. Enculé. Dans ce cas-là, on prend notre équipe de choc, c'est-à-dire Tora, Rex. Je dirais même plus loin. Comme ça. Ok. Bon, on va pouvoir commencer les entretiens. C'est bon pour toi? Oui. Bon, je fais venir la première personne. C'est des combats ou pas, du coup? Ça charge, en tout cas. J'ai l'impression que ma console est en train de rendre l'âme. Ou alors... Je ne sais pas, mais ça fait longtemps. À charge pour des petites cinématiques, j'ai l'impression. Ou alors c'est le temps de les trouver si vraiment elles sont scriptées. Ah, c'est vous qui commandez ici? Non, c'est ce jeune homme. En effet, vous êtes jeune, mais je vois que tout le monde vous respecte, ça me plaît. La position de Rex. Ce man-spreading de qualité. Je m'appelle Alicia et je suis de Morardin. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Tes motivations? Eh bien, je me suis renseigné un peu ici et là, et je dois dire que je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de négatif sur les mercenaires de Garfon. Moi-même, je n'ai aucune expérience du combat, mais je pense que je serais capable d'aider d'une autre manière. Je vois. Il doit y avoir d'autres raisons, non? Eh bien, pour être franche, rien ne me retenait à Alba Cavanish. Tout le monde est maussade là-bas et toujours pressé. C'est pour ça que j'ai quitté Morardin. Tu as d'autres questions? Tes points forts? Je n'ai pas de compétences qui soient véritablement exceptionnelles. Mais à choisir, je dirais que mon point fort est mon optimisme en toute situation. Ok. Et sinon? Très bonne chose. Vraiment, ça me fait plaisir. Ah, je dois aussi dire que je suis bonne cuisinière. J'ai un certain talent pour accorder les plats et les violons. Tes plans pour l'avenir? Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Je me dis simplement que je suis heureuse aujourd'hui, je le serai encore demain. Ah, il manque un œil vif. Un particulier. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Nous prendrons notre décision bientôt, vous pouvez disposer. Très bien, j'espère que vous ferez le bon choix. Ok, bon, j'appelle le candidat suivant. Il manque un œil vif, c'est dommage. J'étais sûr d'en avoir plus, pourtant. Est-ce que c'est justement la lame que j'ai pas équipée qui peut avoir œil vif? C'est Rock qui a œil vif? Non, je me souviens pas qu'il ait œil vif. Mais si c'est le cas, j'aurais peut-être pu accéder à ces questions-là, du coup. Popo est ravi de rencontrer Amipon.
Popo est originaire d'Argentum. Popo cherche travail où il n'y a pas besoin de se battre. Ok. Tes motivations. Popo voulait devenir mercenaire, mais faut se battre, alors ça lui correspond pas trop. Ensuite, Popo a entendu parler de poste d'administration, alors Popo a sauté sur occasion. Ok. Pourquoi voulez-vous tant rejoindre les mercenaires? Popo adore personne de grande taille. Il y a plein de grands mercenaires et Popo voudrait bien qu'il caresse tes têtes à Popo avec grande main. Tes points forts? Point fort de Popo est sans doute fourrure scintille brillante et super douce et agréable à toucher. Mais encore. Cela ne vous dérangerait pas qu'on vous caresse sans arrêt la fourrure? Oh, Popo adore quand personne ébouriffe pelage. J'en dis que ça leur fait du bonheur en plus. À la fin de longues journées, mercenaires seront sans doute contents de pouvoir caresser tête à Popo. Popo a pas objectif grandiose. Popo voudrait juste des gens tristes et malheureux puissent caresser tête à Popo pour aller mieux. Ouais, tu veux du pognon, quoi. T'es un opon après tout. Un en particulier. Ok, Popo a hâte de recevoir bonne nouvelle. Donc on a une fille de Morardin. Une fille de Popo. Pourtant, j'ai dit des filles au début en disant ça pour rigoler, mais c'est vraiment des filles, putain. Au moins, la quête a l'air plus simple, mais... J'espère qu'on pourra la reparler, parce que je crois que j'ai eu vif sur Rock. Et ça me gêne un peu, du coup. Ou alors, c'est Crochetage. Ah, je confonds peut-être avec Crochetage, parce qu'il la maîtrise du vent... Crochetage et peut-être Bourrasque ou je sais plus quoi. Nous nous nommons Zendrig Catador. Notre nom est en réalité bien plus long, mais vous pouvez nous appeler... vous pouvez m'appeler Zendrig. Je suis issu d'une longue lignée de nobles, afin de Samima, qui est hélas tombé en disgrâce. Je sais que c'est des... ce que c'est de compter chaque sou, et je pense donc être fait pour les tâches de comptabilité. Ok. Je vous en prie, posez-moi vos questions. Tes motivations. Il me faut de l'argent, j'aimerais gagner correctement ma vie. Ok, ça semble logique. Pour quelle raison? Comme vous le savez, ma famille autrefois noble n'est aujourd'hui plus que l'ombre d'elle-même. Si je veux lui rendre sa gloire passée, j'ai naturellement besoin de fonds. Et à cette fin, je vous ordonne, j'aimerais beaucoup que vous m'embauchiez. Tes points forts? Je n'ai plus ni demeure ni possession, simplement ce nom extrêmement long, et en sens des affaires très développé. Okay. Pourriez-vous nous donner plus de détails? Dans mon enfance, j'ai reçu une éducation aristocratique. À cette époque, on m'a enseigné l'art de discerner la qualité et la médiocrité. Vous pouvez être sûr qu'avec moi, un minimum d'argent sera utilisé pour acheter les meilleurs équipements. Des plans pour l'avenir? Ce que je veux, c'est restaurer la gloire de ma famille. Je veux plus contenter de revenus médiocres. C'est Agathe qui nous donne œil vif, d'accord. Concentration, je savais. Rien de particulier. Très bien, on peut s'arrêter là. Nous vous ferons bientôt part de notre décision. Si vous ne m'embauchez pas, pardonnez-moi, j'ai du mal à me débarrasser de mes réflexes. Voilà, tu as vu tous les candidats. Prends ton temps pour réfléchir et fais-moi signe quand tu as décidé. Je pense pas que ce soit très important entre vous et moi. Mais est-ce que j'avais œil vif du coup sur notre lame? Non, c'est pas ça que je veux. Je me souviens plus, moi. Ah non, c'était bien dispersion du miasme. Ah, peut-être qu'une de ces trucs l'avait chopé, mais ça m'étonnerait grandement. Ouais, donc à moins d'améliorer Agathe, j'aurais pas pu le faire. Et pour l'améliorer, il faut que je la passe niveau 3, et pour la passer niveau 3, il faut que j'obtienne du minerai dans la mine d'Uraya. Et je sais absolument pas où c'est. Ouais, non, je vois pas. Ça doit être une quête spéciale. Oui, donc.
Tu as pu discuter avec tout le monde, tu as fait ton choix. D'abord, il y a Alicia, je pense qu'elle pourrait apporter quelque chose de frais au groupe de mercenaires. Ensuite, il y a Popo, la Nopone, elle m'a l'air plutôt détendue et réfléchie. Et enfin, Zendring, qui vient d'une famille noble, il m'a semblé tout à fait respectable. Alors, la fille de Morardin... Déjà, elle a les lunettes, donc bon point. Popo, on pourrait la caresser, donc bon point, mais ça pourrait l'énerver au fur et à mesure. Zendrig, ça le sociabiliserait. Il se rendrait peut-être compte que l'argent, c'est pas le plus important. Après, ici, il y a quoi comme race? Il y a à peu près tout. Hein. Il y a des gormotois, des humains... j'ai pas vu beaucoup de nopons, donc j'aurais tendance à dire Popo. Allez, Popo. Dans ce cas, c'est décidé. Les combats, c'est pas toujours facile psychologiquement. Avec elle, ce sera plus simple d'apaiser les soldats. Un problème de régler. Oui, je pense que c'est le bon choix. T'as vraiment l'âme d'un chef, tu sais. C'est bien simple. Hein. Quand je te regarde, j'ai l'impression de voir Vandamme. Il serait tellement fier de toi. Merci. En tout cas, l'avenir s'annonce radieux pour les mercenaires d'Irfond. Un jour, nous serons le meilleur groupe de mercenaires du Raya, et même de tout le reste. Reviens nous voir de temps en temps. Les mercenaires ont atteint le rang 4. L'augmentation du nombre max de l'âme commune et d'escouade à gérer. Nouvelle mission de mercenaires dispo. Eh ben ouais, ma gueule. Moi, j'ai des qualités de meneur, tu vois. 5000 d'XP. Paf, prends de l'XP dans ta gueule. Alors, Lefteria, Gormoth, Rock, bien sûr, oui. Où est-ce qu'il est niveau 5? Ah oui, il gagne de l'XP, oui, c'est vrai, 5000 d'XP d'un coup. Lefteria et Gormoth, c'est tout? Pas de nouvelle mission ailleurs? Dans mission rapide, je vais pouvoir me coucher avant une heure. Toi, par contre. Ah, c'est vous, on n'était jamais aussi sortis, c'est une mission qui manque, du coup, blabla. D'accord, tu nous donnes des missions. Une mission, d'accord. Toi, t'en as pas, et toi, non plus. Ok. Mercenaire de retour, en plus. Ah oui, les no-popo mouli, c'est vrai. Hop, Tsumi qui récupère ça. Gokuto, l'école du Gokuto, hein, on connaît tous. Alors, Argentum. Impératifs familiaux, 130, c'est pas énorme. Gormoth, exercice de manœuvre, force niveau 30, ça c'est chiant. Ça doit donner des objets sympathiques. Muraya, j'ai pas l'impression. Morardin, j'ai pas l'impression. Lefteria, oui apparemment. Festival de Yashima, ok. Putain, il me faut 6 lames avec force 30 ou plus. Waouh. Corinne, mais je sais même pas qui c'est, Corinne. Et je vais pouvoir farmer avec trois personnages d'affilée. Ah ouais, faut qu'on monte à 20 000 quand même la prochaine fois, c'est chaud. Ah, il n'y a pas de relation dans le... Ah, c'est pas considéré comme une ville en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est... Je sais plus comment il s'appelle. Le titan en forme de raie sur lequel il y a la guerre, c'est pas considéré comme un des grands titans. D'accord, donc il y a peut-être plus que 8 titans en fait à explorer. Ce qui semblerait logique en fait. Personnage, on va équiper Rock juste pour voir. Enfin, Suzaku, ouais. Rang 4, qu'est-ce que tu débloques? Tu débloques rien? Tu débloques rien, d'accord. Putain, j'avoue, il débloque rien, quoi. Le titan, la faiblesse, quoi. Utiliser des techniques, quantité de dégâts en une seule attaque, augmenter le lien de confiance, ça aurait pu être débloqué direct. Combo de lame, un certain nombre de dégâts. Parler à Rock à l'auberge de Garfond, à Uraya, pour assister à l'interlude de la vie continue. On a encore plein d'interludes à faire.
Pira, oui, c'est vrai, t'avais débloqué un truc. T'as débloqué concentration. Donc on a concentration 5, je crois. Et cuisiner 50 plats. Pour une... un truc qui sert à rien en plus, je crois, cordon bleu. Donc on sait pas, utiliser révolution, pointe enflammée. Changer de lame pendant un combat. Les changements réalisés comptent dans le total. Bah pourquoi ça les compte pas? Ah, parce que ça les compte pas tant qu'on n'est pas là. D'accord. Réaliser des combos de lame. Ouais. Réaliser des combos de lame. Ah non, de pilote, ok. Brigitte, Agathe, on sait toujours pas. Enfin, si on sait, mais la mine du Raya, je sais pas où c'est. En fait, je viens d'avoir une idée d'où est-ce que ça pourrait être. Pourrait être là, mais ça pourrait surtout être là-dedans. C'est le seul endroit où je vois un truc qui ressemble à une mine. Ah, ou alors il faut y aller parce qu'il y avait un truc qu'on pouvait faire là-dessous, je crois. Genre nager. Il me manque un maîtrise de l'eau. Attends, c'est courage 4 qu'il faut? Ah non, courage 3. Pourquoi je l'ai pas le courage 3? C'est comme ça que j'ai découvert tous les trucs que les personnages aimaient. Ça en se pas manque exactement comme ça. Là, du coup, si on va ici, paf! Et j'ai plus maîtrise de l'eau, je l'avais pas de base, je pense. C'est quand même un endroit rare ici, donc je pense que maîtrise de l'eau. Toi, tu dois le voir. Hein. Pas du tout. Si. Je pense que ça mène quand même à un endroit assez important. Hop. C'est peut-être ici qu'elles sont les mines, du coup. Oh. What? Où est-ce que je suis? Quel est cet endroit beaucoup trop classe? Juste par précaution. Aqua Jardin de Rakura. Et il y a des cristals, donc il y a possibilité que ça soit là qu'il faille que je mine. N'est-ce pas, Agathe? Est-ce que tu voulais que je mine deux fois du coup ou juste une fois? Putain, c'est tellement stylé. Plus un coffre. Non, c'est pas ici que vous appelez les mines du Raya? Oh! Je viens de voir un truc. Je viens de voir un gros coffre comme la dernière fois. Il y a tellement d'objets rares. On va finir sur une touche de merveille parce que c'est super stylé ici. Ah, il fallait qu'elle ramasse des trucs. Eh, on accroche tâche 6 du coup, non? Crochetage, culture ancienne. T'as tellement de crochetage en fait.
Cristal cœur rare, c'est tout. Bon, après, ça reste super stylé. Non, c'est pas ce que vous appelez les mines du Raya, du coup. Vous êtes sûr, hein? Moi, je trouve ça quand même vachement stylé. Maîtrise de la glace. C'est vrai qu'il y avait plein de trucs aussi. Toujours sur le fil. Maîtrise de la glace, concentration. Montre-moi ce que ça donne. Un pont, d'accord. Elle a quand même maîtrise du vent 3, la salope. Et je vois qu'il y en a un autre de l'autre côté, mais je pense que ça sert juste à remonter sur le pont. Ok. Ok, c'était plutôt commun en fait. Hop, on fait un pont encore. Je crois, tout juste. Et ça, c'était pour une quête aussi. Et c'était les inscriptions à la con d'ailleurs. Clé mystérieuse. Quête mise à jour. Mais d'abord, maîtrise de la terre et vif. Ah oui, c'est œil vif qui me manquait la dernière fois, je crois. J'étais myope, mais c'est pas grave. Ah, vous avez l'air réjoui. Que s'est-il passé? On a la clé. T'auras pas main vide. Qu'est-ce donc? Une clé? En jugé par l'inscription, je dirais que c'est un ancien artefact nopon. On n'est pas des manches, hein. Cependant, cela ne vous dit pas quelle serrure cette clé est censée ouvrir. Gardez-la, vous aurez bien plus de chances que moi de trouver la serrure correspondance. J'espère que vous trouverez la serrure qui correspond à cette clé. Je vais voir ce que je peux faire. Quant à moi, il serait dommage que je retourne Brodo et Yamaradin. Je vais rester ici encore quelques temps et étudier les inscriptions. Vous avez été d'une aide incommensurable, merci pour tout. C'est fini? Ok. Alors je me souviens d'un endroit où il y avait potentiellement une porte. Mais de là à dire si c'est ça. Toi, je t'avais déjà parlé. J'aurais jamais pensé vous rencontrer ici. Depuis vos exploits, les phoenix sont plus nombreux à partir à l'aventure. J'aimerais bien visiter des endroits comme Lefteria et Gormoth, moi aussi. Eh ben vas-y, fais pas chier. Ah oui, c'est là. Je me disais qu'il y avait peut-être une porte dans ces piliers. Ah, genre tout au bout, je crois. Donc là, par exemple, si je chute bien, sans mourir. Ouais, c'est ça, j'étais venu sans vous, mais je l'avais pas sauvegardé. Exprès, justement. Deux souvenirs et un coffre. Et derrière, ça serait pas une porte, ça?
Non, pas du tout. Putain, c'était ça. Ah ouais, mais non, mais... Oui, mais non, mais... Ah, je regarde juste ce que c'est. Mais... Oh, ça va découvrir la vérité. Eh, c'est une autre quête, ça. Oui, c'était lié à une autre quête, donc ça veut dire que cette clé permettait d'ouvrir la porte qui était liée à une autre quête. Il est de dos ou c'est moi qui rêve? Ou il a un masque chelou? Ah oui, c'était un mec qui était par là, je crois. C'est genre pas toi, Rododo? Si? Non? Encore en dessous? Par là. Salut, assistant. Faites rapport à Rododo. Alors, en fait... Bon, assistant, en vue statue de nos ponts avec cache-œil et drôle de chapeau? Sûrement un capitaine de nos popons. Oui, capitaine de nos popons, pirate de nos ponts légendaire. Représentation de capitaine de nos popons dans un endroit pareil, c'est alors. Hein? Adem, découvrir est incroyable. Trou dans le ventre, un trou carré et un trou rond. Peut-être que c'est remplacement pour morceau manquant. Assistants doivent trouver morceau manquant. La cavité carrée, la cavité ronde. Ah! Dans la cavité ronde. Pierre mystérieuse ABE en stock 0. D'accord. Trouver l'élément qui rend dans la pièce ronde de la statue et les mettre en place. Ok. Cavité carrée. Pièce mystérieuse CDF. Je trouve une de chaque. Ok. Ça sent la longue quête quand même. Où est-ce qu'il voit une cavité ronde et une cavité carrée? Genre derrière? Ah oui, une cavité ronde et une cavité carrée, d'accord. Mais non, pas du tout, ça c'est le symbole qu'il y a. Je sais pas où vous les voyez vos cavités, mais moi je vois que là. On va dire qu'il y en a une, hein. Je vous fais confiance. Bon bah c'est pas si mal, on découvre des choses. Okay. Quoi? C'est juste un tonneau? Mais fous-toi de ma gueule. Un fameux doublon nos ponts. Je me demande c'est... Ah, me dis pas que c'est ça qui va me servir à acheter les trucs mystérieux et les éléments mystérieux. Si c'est ça, ça va me faire chier. Ça se trouve, c'est un PNJ que j'ai déjà débloqué en plus. Le coffre à moitié secret qui n'est pas secret. Voilà. Stalker commun, Stalker rare et du pognon, d'accord. Pas sûr que ça valait le coup de cacher ça là. Justement, c'était à la fin de la quête qu'on avait vu. Ah, mais il faut crochetage 5. Enfin, 6.
Hop, ça c'est fait. Du sale cœur rare et du pognon. Ok. J'en ai assez vu de ce pays, il fait vraiment trop chaud. Le titan peut-il supporter une telle chaleur? Que se passera-t-il s'il s'évanouit et commence à couler? Les humains passent leur temps à bricoler le titan, ils devraient en assumer les conséquences. Si jamais le pays venait à couler, je me faufilerais dans un navire en partance pour l'Eftéria. Une rumeur dire que le roi démon a disparu, ce serait l'occasion d'aller visiter la colonie de Phoenix. C'est vrai, on l'a tué. Et que j'ouvre ce coffre. Parce que je peux. Voilà. Ça, c'était un petit coffre dans une zone 60. Avec un cristal cœur légendaire à l'intérieur. Mais sinon, tout va bien. Qu'est-ce que ça donne, du coup? Ça se fait une échelle, je pense, mais à quoi sert l'échelle? Ah, juste un coffre! Oh, je m'attendais à mieux. Je suis déçu. Pendentif Pentagone, c'est déjà ça. Ok, donc il nous en reste 3 quêtes à faire la prochaine fois. Je pense qu'en une vidéo, si on est bien préparé, ça passe. Sur ce, on va s'arrêter là pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette longue session. Je sais pas encore combien de vidéos ça va faire, j'ai pas fait le montage. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine pour finir tout le contenu secondaire qu'il nous reste à faire, avant d'attaquer le chapitre 6 en ligne droite autant que possible. Et je vous dis à la prochaine. À plus !